amené ma caméra pour filmer. Finalement, j'ai oublié ma carte mémoire chez nous. J'ai pensé à changer la batterie, mais j'ai oublié de prendre ma carte mémoire. Donc là, je filme dans le fond sur mon téléphone, mais c'était pas grave parce qu'avec le téléphone iPhone, ça fonctionne super bien. On est vendredi. Je m'en vais déjeuner avec une amie qui habite à Vancouver, mais qui est à Montréal pour pas très longtemps. Donc on s'en va déjeuner dans le bout du centre-ville ensemble. Alors, je pars toute seule sans Léa parce qu'on est le matin. Puis Léa fait sa sieste. Alors, elle est restée avec Florian. Florian travaille jamais le vendredi. Fait que c'est parfait, il n'y a pas de problème. Je me sens pas pressée. Je vais essayer de filmer un petit peu, étant donné que ça arrive pas souvent que je me ramasse toute seule. Sans Léa, sans Florian. Je me sens comme... On dirait que j'ai oublié quelque chose. C'est comme ça que je me sens quand je suis pas avec Léa. C'est comme s'il me manquait il me manquait quelque chose. Donc, on se revoit au resto. Coucou, ça c'est Sabrina. Allô. La comédienne. C'est moi. Bon appétit. Bon appétit. Salut tout le monde, bon matin! C'était très plaisant hier au restaurant avec mon amie Sabrina. J'ai pas beaucoup filmé parce que j'essayais d'en profiter. On se voit vraiment pas souvent, comme une fois ou six mois, donc étant donné qu'elle habite à l'autre bout du pays. Hein, le Canada c'est grand, donc Vancouver c'est aussi loin que d'aller à Paris. Alors voilà, on est rendu samedi. Nous quittons dans 45 minutes environ pour aller à un gala d'arts martiaux parce que Flo fait du Jota Aikido deux fois semaine quand il peut. C'est pas toujours régulier, mais c'est le mardi soir et le vendredi soir d'habitude. Et puis une fois par année, ils font un gala, puis ils vont faire des petites démonstrations de kata en groupe. On se fait un petit smoothie ce matin. Alors banane, orange, fraise, canneberge. On a mis un peu d'eau. On va mettre du maca et un peu de protéines. C'est juste pour le goût. Juste pour le goût, parce que ça goûte la vanille. Pour que ça goûte la vanille. Ça va être très très bon d'ailleurs. Ah ouais. Ouais. Et puis c'est ça toi. Oui, je sais que ça va être très très bon. Encore un petit peu. Ok. Pour pas que ça goûte trop la vanille non plus. Ouais, et ensuite... Toi t'aimes ça la vanille? Moi j'aime, ouais. Et j'aime le maca aussi. Je trouve ça, ça goûte pas trop non tellement plus. Bon. Pas trop, mais juste un petit peu. Juste un petit peu comme ça. Voilà. C'est fini. Ok? C'est fini. You wanna drink it? C'était stressant. Hein? Regarde, on a des belles poires. Oh, c'est crémeux. Oh, ça va être bon. Oh. Oh, avez-vous déjà vu un smoothie aussi crémeux dans votre vie? Non. Eh non, c'est normal. C'est nous qui faisons les smoothies les plus crémeux. Is it good? Ton smoothie ultra crémeux, fraises, bananes, oranges, canneberge, maca, de l'eau et un petit peu de protéines parce que tu manges pas beaucoup. Léa, est-ce qu'on s'en va à un gala d'arts martiaux? Oui! You look so cute! Oh mon dieu! Wow! Remets-lui son bandeau voilà. Comme il faut. Wow! Avec une médaille! Ouh! Turn around! Wow! Elle est tellement fière! Wow! Ça commence à attaquer. Yeah. Oh yeah, oh ouais. C'est bon ça. Ouh. Allez, oh, les coups de pied, les coups de pied. Ouh, les coups de main. Oh, tu vas être bonne toi dans les arts martiaux. Oui, tu vas être la meilleure. Go!
Léa aime tellement les princesses en ce moment. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis en train d'apprendre toutes les chansons là, de Disney pour être capable de lui chanter, pour pas être obligée toujours de lui mettre la musique sur l'ordinateur. Je me suis dit que parfois, peut-être que ce serait moi qui pourrais chanter la chanson. En tout cas, c'est pas facile à apprendre toutes les chansons. Elle aime Moana. Je sais pas si c'est... Je pense que c'est le titre du film Moana, puis elle aime Frozen, sauf qu'elle a pas écouté les films parce qu'elle est trop jeune pour écouter les films, et je lui fais écouter les chansons, il y a comme des clips là avec les chansons. Anyway, là on quitte, il est 1h-10, donc on s'en va au gym. Le gym est à côté de chez... ben plus ou moins à côté de chez nous, comme mettons 15 minutes de marche, donc on va y aller à pied. Il fait 17 degrés, il pleut pas, mais je pense qu'il va commencer à pleuvoir à 5h, donc je vais amener un parapluie juste au cas où pour pas me faire prendre à la pluie comme hier. Ça va Léa? Je suis prêt. Bon, on va faire une petite démonstration de Tai Chi Ball. Montre-donc, c'est quoi des Tai Chi Ball? Quoi? Montre, c'est quoi? Wow! Avec des petits dragons. Oh, oh.
était froid, minus 22 degrés. C'est beaucoup de championnats, championnats mondiaux, beaucoup de médailles que nous avons obtenues. On va partager ça avec vous. Parce que ici, l'équipe de Canada, VKU Canada, à Grèce, à Athènes. Ça, c'est l'année passée, à Grèce, à Athènes, où ma femme et ma fille, elles étaient championnes mondiales. Wow. C'est mon neveu qui a gagné contre Ontario les compétitions de Muay Thai. Mon premier équipe ici à Montréal. Ici c'est Montréal Open. Nous avons gagné beaucoup de places ici. Ici c'est... Waouh! On échappe sur le côté. Ouais, c'est bien. Quoi pour son âge? Bah ouais. C'est quoi cette danse, cette marche? Je voulais vous revenir sur la sur notre journée en fait, c'était vraiment plaisant. Léa s'est beaucoup amusée, elle a couru mais sans arrêt là-bas, puis elle a joué avec les petites filles qui étaient tellement gentilles. Donc on a vraiment passé une bonne journée, mais on est vraiment épuisé, on est vraiment fatigué. Donc on a décidé qu'on allait écouter un film sur Netflix. Puis Flo est en train de préparer à manger, moi je relaxe. Je vais me prendre un petit verre de vin blanc très bientôt. Tu m'as-tu entendu? Ouais, d'ailleurs la bouteille, je l'ai pas mis au frais. Bon ben, mets-la au frais. Donc c'est ça, ça va être relax comme fin de soirée. Dans le fond, ça va comme être un petit apéro dînatoire devant un film pour célébrer la fête des pères. Parce que la fête des pères, c'est demain. Donc joyeuse fête des pères à tous les papas. Et j'en profite pour faire le mot de la fin, même si je vais vous laisser en fait sur quelques images de notre souper. Donc la vidéo se termine pas ici, mais je voulais faire le mot de la fin maintenant avant d'être épuisée. Alors merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air, puis on se revoit jeudi pour une nouvelle vidéo. Bye! Alors on a des patates enveloppé dans de l'aluminium, on a du poulet avec ça ici c'est de l'ail. Oh, ça sent tellement bon! Mais là, Florian m'a dit que ça sera pas prêt bientôt, donc il fait des petites bouchées en attendant. Il est 20h. Il va faire des œufs avec une petite mayonnaise épicée. Ensuite, il m'a dit qu'il allait faire des genres de grilled cheese. Alors, le premier service de petites bouchées. Les œufs avec la petite mayo épicée, puis du radis noir mariné. Mmh, très bon. Je vais déboucher un petit vin blanc portugais. C'est le père d'Elisabeth qui me l'a offert pour mon anniversaire avec d'autres bouteilles de vin là. Ouais. Donc on va voir ce que ça vaut. Je m'attends pas à ce que ça soit mauvais. C'est sûr que ça va être excellent. J'avais lu la description et ça avait l'air incroyable. Il avait même été suggéré dans le journal La Presse. Très bon, hein? Ah ouais? Oh, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente. Il a un goût vraiment particulier. Ah ouais. Et en passant, c'est la meilleure mayo épicée que j'ai mangée de ma vie. Il est très goûtu. D'accord, je vais goûter ça. Il y a un petit odeur d'eau de vie. Et au goût, c'est la première chose qui m'est venue, ça goûte la figue avec un petit arrière-goût de pamplemousse. Oui. Puis il y a une bonne acidité, c'est pas trop sucré, il est super bien équilibré honnêtement, il est excellent. Il est délicieux. On est très satisfaits. Délicieux. Il est à la bonne température. Oui. Bien frais. Oui. Mais pas trop. Mm-hmm. Pas trop frais non plus. Et je prends celui-ci. Ah, oh. Hop là. Ça prend pas les petits bouts sur le côté. Non, je les mange. Moi, je les aime bien les petits bouts. Je vais les prendre. Waouh. Wow.
Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ça va être incroyable. Oui, comme d'habitude, on peut pas dire l'inverse, c'est toujours incroyable. Alors c'est une petite sauce créole qu'on avait achetée dans le Maine. Ah oui, ça va-tu être ultra piquant? J'en ai aucune idée, mais ça va être très bon, quoi qu'il arrive. Mais après ça, j'ai mis de la sauce asiatique à l'ail. J'ai mis de la moutarde de Dijon. J'ai mis de l'huile d'olive. J'ai mis de la sauce HP. Oui. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je pense que c'est pas mal tout. Les pommes de terre, hop, sans commun. Je pourrais tester la cuisson. Oh. Ouf. Oh, elles sont parfaites. Ça rentre comme dans du beurre. Dernière petite bouchée avant le souper. J'ai plus faim. Non, je vais trouver la place. Ça sent bon le fenouil. Parce que moi j'aime ça, mettre des petits grains de fenouil broyés dans mes salades. Mm-hmm. Pourquoi pas? Yummy! Bon appétit! Bon appétit! Bonne fête des pères! Bonne fête des pères!